Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Si tu n'as pas Jésus, tu es une viande à manger. You have no Jesus Christ, you are a fruit. Ils vont te manger facilement. They will eat you very easily. C'est pourquoi tout ce que tu fais ne marche pas. That is why everything that you do does not work. Parce que tu es charnel. Because you are carnal. Tu es contrôlable. You are controllable. On peut te contrôler. They can control you. On peut t'utiliser. They can use you. L'esprit n'a pas de corps. Spirit have no body. Dieu t'a donné un corps. God have given you a body. Afin que tu profites de la vie terrestre. So that you may enjoy your earthly life. Mais l'esprit n'a pas de corps. But spirits have no body. Comme l'esprit n'a pas de corps, as the spirit have no body, il a besoin de corps. He need a body. Pour accomplir ses œuvres. To accomplish his work. Pour faire tout ce dont il veut faire. To do everything he needs to do. Alors si toi tu n'es pas éveillé, but if you are not wake up, l'esprit malin vient habiter en toi. The evil spirit will come and live in you. Et il commence à utiliser ton and he begin to use your body. Oh, il a prêché. Je croyais que tu avais entendu ça. My God, glory to God. Hallelujah. Vous voulez que je m'explique? You want me to explain myself? Pour vous faire comprendre ce que je vais dire par là. To make you understand what I'm saying. Ça veut dire que nous vivons dans un monde des intérêts. We are living in a world of interests. Il n'y a rien sans rien. There are nothing without nothing. Ah, glory to Jesus. Certaines personnes sont devenues des entreprises des autres. Certain people became a company of others. C'est pourquoi le démon ici disait dans la vie de cette fille, il y a quelque chose en elle que j'aime. And that's why the demon was saying in the body of the lady, there's a something in her that I love. Il y a quelque chose en elle que j'aime. There's a something in her that I love. Le démon n'est pas prêt de sortir parce que ça fait longtemps qu'il profite d'elle. And the demon is not ready to come out because it's so long pour se satisfaire. He's enjoying her to satisfy himself. Hallelujah. Vous comprenez? Do you understand? Il y a des choses que tu fais parce que tu veux le faire. There are things that you do because you want to do. Et parce que tu as la possibilité de le faire. Because you have ability to do that. Pourquoi? Parce que tu as un corps. Because you carry a body. Tu es doté d'un corps. Because you have a body. Qui te permet de satisfaire tes besoins. That allow you to satisfy mais your si desires. Mais si tu es sorti de ton corps, but if it came out of tu your ne body, sauras plus rien faire. You cannot do nothing. Si tu as besoin again de toucher quelque chose de matériel, if you want to touch la main a material passe au thing, travers. Your hand go through it. Oh, demande à ceux qui se sont trouvés se retrouver dans ceux qui se sont retrouvés dans le coma. Ask people that I went to coma before. Vous pouvez avoir ces expériences là sur YouTube. La il y a des vidéos des personnes qui ont été dans le coma pendant des heures. Il est sorti de son corps. Ask people that went to coma for many je hours. Je regardais un témoignage sur TF1. I saw a testimony on TF1. Il y a plusieurs années, il y avait une émission qu'on appelait Les Mystères. A lot of years back, there was a program that we call Mystery. Avant quand même, le monde évolue mal. Hein? Avant, il y avait des émissions qui pouvaient instruire les gens. Before there was a program that can instruct people. C'est grâce à cette émission-là, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. And it's through that the program I began to read the Bible and I understood many dans things. Cette émission là de TF1, in that program of TF1, c'est des gens qui venaient raconter leurs expériences. And people we came in to explain their experiences. Et il y avait une femme qui a raconté son expérience. And there were a woman that explained her story. Elle s'est retrouvée aux urgences. She went to the elle avait emergency. Un problème cardiaque. She had a heart problem. Elle voyait comment les médecins essayaient de la faire vivre. And she saw that how the doctor wanted mais to bring her back to life. Elle se voyait quitter son corps. She saw herself leaving her body. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, son corps était devenu comme un ballon d'air. What she didn't understand, sorti, her body became like a ball. Elle voyait sa chair qui est restée là and sur la table d'opération. She came out of her body. She saw her body laying there. Les médecins faisaient tout pour la réanimer. And the doctor would do everything to bring her back to mais life. Rien ne se faisait. Jusqu'à ce qu'elle a vu les médecins jeter les outils, il regrettait que c'était fini. Out their tools. Alors, elle est and sortie de son corps. Elle arrive à la salle d'attente. She went to the living room. Elle voit son mari.
And she showed her husband. Elle s'est sentie libre quand elle est sortie de son corps. Elle s'est sentie libre. When she came out of her body, she felt free. Le mal était dans son chair. The pain mais was le in the mal body. N'était pas dans son esprit. The pain was not in her maintenant, spirit. Elle voulait dire à son mari, je suis libre. She said to her, she wanted to say to her husband, quand I'm free. Elle a touché son mari, when she touched the husband, la main passait au travers. And the hand go through him. Et c'est là qu'elle a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. And she understood there's something wrong. Et tout d'un coup, one of a sudden, elle voit qu'une force est venue la prendre. And she saw that a force came and comme un vent her. Qui l'a poussée. Like a wind that was pushing jusqu'à ce qu'elle s'est retrouvée dans un tunnel. And she found herself in a tunnel. En tant que païen, elle ne sait pas comprendre c'est quoi ce tunnel-là. As an unbeliever, she could not understand ça, ce what n'est is pas le tunnel. Témoignage d'un chrétien ou d'une chrétienne, c'est le témoignage d'une Française. It is not a testimony of a Christian qui ne connaissait woman, pas Christ. It's a testimony of an unbeliever, a French alors, woman. Alors, dans ce tunnel là, in the tunnel, elle a trouvé d'autres personnes qui étaient là. She found other people that were there. Qui marchaient dans le tunnel non-stop. They were walking on the tunnel. Et ils avaient les mains derrière le dos comme ça. And they had their hand behind their back. Personne ne parlait à l'autre. Nobody was talking c'est to another. C'est comme s'ils étaient tristes. It's like they were sad. Et ils voyaient, c'était sombre dans le tunnel. Dark in the tunnel. Il n'y avait pas de lumière. There was no light in it. Mais elle cherchait la lumière. But she was looking for light. Elle a vu le bout du tunnel. She saw une petite far. Lumière au a bout du tunnel. Small light. Alors elle s'est décidée d'aller vers cette lumière-là. And she decided to go towards plus the light. Elle avançait, more she was going, plus la lumière s'éloignait. More the light was going far. Alléluia. Ça, je l'avais regardé, je crois, en 91 ou 92. I watched it on 91, 92, like this. Si vous regardez dans les archives de TF1, vous allez voir ça. If you look to the file of TF1, you will see it. Alors, en venant à Christ, by coming to Christ j'ai Jesus, compris I understood. Que Dieu avait accordé une année de grâce à cette femme-là. That God gave one parce que la lumière qu'elle voyait au loin là-bas, c'était Christ. The light was mais so elle se retrouvait au Christ. Séjour des morts. She found herself in the kingdom of death. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui se retrouvent au séjour des morts sont tristes. That's why everybody that find himself ce sont in the des kingdom esprits of death, qui errent. They are sad. Utilisés par des magiciens, des satanistes à tout moment. Those are the spirits that is ils n'ont plus about leur corps. By magicians, by ils ne peuvent plus satisfaire leurs désirs. They have no body, they cannot satisfy their desires. C'est fini, trop tard. It is too late. Dépourvu de corps. Denied of body. C'est ça la souffrance que a Satan et ses démons. That is the suffering that Satan and his demons. Ils n'ont pas de corps. They have no body. C'est là où viennent leur méchanceté. They came their evil from. Il dit, je sais que tu vas me chasser d'ici. Je sais que mon temps de partir est I arrivé. Know you will cast me donc out. Le démon pleure déjà. I know my time parce que is c'était over. Son habitation. Because he was his il arrivait place. À satisfaire ses désirs dans ce corps-là. Able to c'est pourquoi toi, tu ne peux pas être satisfait. That's why you parce que nous satisfied. Vivons dans un monde des intérêts. Because we are living in le démon a trouvé ses intérêts dans ton corps. Il ne va pas laisser ton esprit se satisfaire. He will not leave your spirit to be satisfied. Il va essayer de se satisfaire au maximum. He will try to satisfy parce que le démon sait que son temps est compté. Because the demon knows his days are numbered. Ah, acclamez pour Jésus. My God, c'est du lourd. Merci pour cette bonne parole. Merci Jésus. Il y a des gens qui viennent coucher avec vous. There are people that came to sleep with you. Mais toi, tu crois que c'était seulement un rêve. You believe it's just a dream. Ce sont des esprits de mort. Those are the spirit des of personnes death. Qui sont mortes avant le temps. People that died before time. Mais il a besoin de se satisfaire. He need to satisfy himself. Mais il n'a plus de corps. He have no more body. Jesus. L'agneau est souverain. Tu as besoin d'entendre cette parole-là. You need to hear this word. Tu vas comprendre beaucoup de choses qui se passent dans ta vie.
You will understand a lot of things that is happening in your life. De quoi tu es seul, tu te laves, tu es seul. You are the, or il y a quelqu'un qui contemple ta beauté. But you are buffing there alone. Somebody is watching you and joining your body. Toi tu sais pas. You don't know. Il regarde, toi tu crois que tu te caches ta beauté, tu caches ta beauté. Si tu n'as pas Jésus-Christ, you qui peut te cacher dans le sang précieux de l'agneau. If you don't have a Jesus Christ, you are hidden rien in the blood of Jesus. Caché dans ta vie. Nothing is hidden in your life. Ton oncle sorcier te voit nu comme tu es. Your uncle's witch watching you à tout like moment. This, every time. Il regarde dans son miroir maléfique là. Tu apparais. He look at his mirror. Toute nue, comme tu te laves là. You appear very naked. Hey, oui, oui. Jesus. Après, il commence à toucher ton corps de femme. And he begin to touch your body. Tout d'un coup, tu sens tes sens se réveiller. You feel your feelings. Toi, tu crois que c'est seulement ton corps qui réagit comme ça. You think your body. En réalité, il y a quelqu'un qui est avec toi là. Is somebody busy with you? Come on, ça c'est trop fort des enseignements là. Acclamez pour Jésus. C'est ça qu'elle vit chaque fois. Celle. That is what she's going through all the time. Alléluia. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il prend son plaisir en toi. Au lieu que le Saint-Esprit prenne son plaisir en toi, c'est un démon qui prend son plaisir en toi. Chaque fois, il t'abuse. Chaque fois. Quelqu'un qui abuse de toi, il ne te laissera pas vivre ta vie selon ce que toi tu veux. Parce qu'il a besoin de toi, tu es devenu sa propriété. Et je suis là pour mettre fin à ces choses. Qu'est-ce qui se passe? What is going on? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? What is going on? Le village ne me voit, tout le monde me couche. Tout le monde couche avec toi. Tout le monde couche les avec toi. Les parents, eux. Les amis, les collègues, tout le monde, même les chiens. Même les chiens. Même les chiens. Je ne refuse jamais. J'ai pas la force de refuser. Elle n'a pas la force de refuser. Elle n'a pas la force de refuser. She Mais elle va avoir refuse. Cette force comment? Ce sont des esprits qui viennent. Vous vivez ça. Beaucoup vous vivez ça. Vous me regardez. Où que vous soyez, vous vivez ça. You going through with you that are watching. Elle est là, elle vit ça. Le réalité du monde spirituel. The reality of a spirit. Amène-la-moi ici. Bring her to me. Vous êtes là, vous êtes là, vous vivez ça. Vous êtes incapable de refuser. You are here, you are going through. Et des fois, quand il commence à te chatouiller, tu te mets à te masturber parce que tu n'as pas le choix. Tu dois le faire avant de te sentir bien. Parce que c'est lui-là qui est là, qui t'oblige à le faire. Il veut que tu te mettes à te masturber. Jesus. Il est ici, là. Il est ici. Ouais. Ouais, ça. Acclamez pour Jésus-Christ. Ils vont sortir tout de suite. They will come out right now. Il y a au moins 5 entités ici dans ce corps. Out! 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 Regarde, 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 regarde comment le diable possède des vies humaines. Hey, come out!
celle-là même, ils sont en train de l'étouffer. Chaque fois, on l'étouffe. Ces esprits-là sont trop méchants. Trop méchants. Very evil. Agneau Jésus. L'heure de la délivrance. Time of deliverance. Jésus. L'agneau de Dieu. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. L'agneau de Dieu est là. L'agneau est sur. Oh, l'agneau de Dieu est là. Après moi, Seigneur Jésus, somebody say, Lord Jesus, viens à mon secours. Come to my pardonne mes péchés. Forgive my sin. Délivre-moi. Deliver me. Sauve-moi. Save me. Je donne ma vie à toi. Give my life to you. Je donne mon cœur à toi. Give my heart to you. Seigneur Jésus-Christ. Lord Jesus Christ. Seigneur Jésus-Christ. Jesus Christ. Seigneur Jésus-Christ. Jesus Christ. Sauve-moi. Save me. Sauve-moi. Save me. Délivre-moi, Seigneur. Deliver me, Lord. Je t'invoque. I call upon you. Je t'invoque. I call upon you. Délivre-moi. Deliver me. Délivre-moi. Deliver me. Délivre-moi. Deliver me. Satan. Satan. Sors de mon corps. Come out of my body. Sors de mon corps. Come out of my body. Démon. Sors de mon corps. Come out of my body. Au nom de Jésus. Jesus name. 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 Marie de nuit. Femme de nuit, ça sort. Il y a des forces des ténèbres qui sortent. Qu'on les veuille ou non, ils ont reçu l'ordre de sortir. Force of darkness that is coming out. Que l'armée de mon père, the army of my father, vienne en aide de chaque personne dans cette salle. L'armée de mon père, the army of my father, vienne en aide de chaque personne dans cette salle. Coming to the rescue of everybody. Les anges de mon père, the angels of my father, viennent en aide de chaque personne dans cette salle. They are coming to the rescue par of everyone. Par la puissance du Saint-Esprit, the power of the Holy Ghost. Par la puissance du Saint-Esprit. Nobody. Regarde-moi. Il y a personne qui réussit. Nobody is prospering. Cette famille-là est liée. Regarde-moi. Tu dois le lâcher. Tu sors. My God. Mon Dieu. Il y a une dimension extraordinaire de la puissance de Dieu dans cette salle. There is a power of God in this room. Si tu es malade, touche là où tu souffres. If you are sick, touch where you are. Tu mets la main là où tu as le problème. Lay your hand where you have your problem. Il y a une dimension extraordinaire pour te guérir. There is an extraordinary dimension. La grâce right here. De Dieu dans cette salle. The grace of God is in this room. Si c'est ton enfant, tu mets la main sur ton enfant. If he is your child, lay your hand upon your child. Il y a la grâce de Dieu. There is a grace si ton enfant of God. Est autiste, tu mets la main sur sa tête. If your child is autiste, lay your hand upon his head. Si ton enfant a un problème, où que ce soit, tu mets la main if là. If your child have a problem, lay your hand where he have oh a problem. Oh my God, il y a l'onction pour guérir Mon les autistes. Dieu, there is an anointing to heal. Il y a l'onction pour la guérison des autistes. There is an anointing to heal autistes. Il y a l'onction pour la guérison des paralytiques. Anointing to heal the lame. Il y a l'onction pour guérir les problèmes musculaires. Anointing to heal the muscles, I receive it in Jesus' name. Enlever les cancers.
Anointing to take away cancer. Il y a l'onction pour enlever l'hépatite A, B, C, D. Anointing to take away. Quel que soit le nombre d'hépatites, ça va sortir. It doesn't matter the name of the hepatitis. Il y a l'onction pour enlever les myomes et le fibrome. Enough anointing to take away. Il y a l'onction pour enlever la sorcellerie. To take away witchcraft. Maintenant même, là où vous avez mis la main, regardez. J'ordonne à ce démon de maladie de sortir maintenant même. I command the demons of sickness to go. Oh, que vous soyez, whatever you are, recevez la guérison. Receive your deliverance. Recevez la guérison. Receive your healing. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. L'ange de quelqu'un est réparé. Je vois une ange qui est réparée. I see a waist of somebody maintenant being même restored. Ange est réparé. Your waist is being restored. Il y a un déclic qui vient de se faire maintenant même. There's a click that was done right My now. My Father, I thank you. Merci Père. Merci. Je vois une jambe droite réparée également. I'm seeing the right leg. Je vois being les repaired. Orteils de cette jambe droite. I'm seeing the toes of somebody réparé tout de suite là. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Je vois une douleur du côté gauche. I'm seeing the pain in the left side. Dans l'estomac du côté gauche. In the stomach of somebody. Cette douleur est en train de disparaître that maintenant pain même. Is going. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Je vois les yeux de quelqu'un libérés I'm maintenant même. The eyes of somebody being Au set nom free. De Jésus. In Jesus' name. Je vois les migraines partir tout de suite. I'm seeing the Jésus est Seigneur. Jesus is the Lord. Jésus est Seigneur. Jesus is the Lord. Jésus est Seigneur. Jesus is the Lord. Je vois une maladie de folie en train de quitter I'm quelqu'un. Seeing the madness going. Cette maladie de folie est en train de quitter la personne. That madness is going. Oh my God, thank you Father. You are God Almighty. Merci Seigneur. Je vois un problème dans la vessie de quelqu'un. I'm seeing a la vessie in the est libérée. Maintenant même. Au nom de Jésus de Nazareth. In Jesus name. Les jambes de quelqu'un sont libérées tout de suite. Leg of somebody's been in set the free. Name of Jesus Christ. In Jesus name. Sois libéré. Be free. Je vois un kyste disparaître. I'm seeing a kyste un kyste disparaît maintenant même. A kyste is disappearing. Oh Baba Shete Tete Tete Tete. Merci Seigneur. Thank you Lord. Oh, je vois les poumons de quelqu'un libérés maintenant. Lung of somebody's been set free. Reçois la guérison. Give the healing. Tu acclames le Seigneur. Donne-lui une grande acclamation. C'est fini. Tous ces démons là ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, condamnés dans l'abîme. All those demons have been arrested. Jésus and les a arrêtés. Jesus have arrested them all. Par son esprit. By his spirit. Lève-toi. Relève-moi celle-là. Asseyez-vous. You can have your seat. Ma petite, ce monde-là, on ne joue pas avec. Hein? On ne joue pas avec le monde. We don't play with this world. Tu sais ça? Dans aussi go, acclamez Jésus. Power. Qu'est-ce qui se passe dans ta jambe? What is going on in your leg? Avec la voiture. Donc il y a un pied qui est plus long que l'autre. C'est à cause de l'accident. Oui. Assieds-toi là. Bon, viens ici, jeune homme. Ah, j'ai besoin de quelqu'un qui a les dons des miracles. Non, pas toi, ne touche pas. Je cherche quelqu'un dans mon esprit. Qui a les dons des miracles? Qui? C'est elle qui va faire ça.
mets-toi à genoux ici, ma fille. Toi, tu montes. Soulève ces gens. C'est quelle jambe? Toujours droite. Toujours droite. C'est la droite qui est courte, non? Hein? Bon, toi tu viens. Toi tu as dit que tu as les dons des miracles. Hein? Tu touches ça. Tu dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Jambe droite. Pousse. 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 Encore. Dis encore. Encore. Cette fille est forte, hein? Ah! Seigneur, utilise cette fille pour ta gloire. Dis pousse. 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 Encore. Pousse. Pousse encore. Pousse. Dis pousse. 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 Encore. Pousse. Encore. Pousse. Encore. Pousse. Encore. Pousse. Encore. Vous n'acclamez pas, acclamez pour Jésus. Donnez gloire à Jésus. My God. Oh, Jesus. L'agneau est souffert. Comment tu t'appelles? Fabriana. Fabriana. Tu es évangéliste. Tu vas prêcher la parole. Seigneur, ouvre cet enfant davantage. Garde-le, garde-la sous ton nom. Couvre-la, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.